j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo face caméra. Comme vous pouvez le voir, ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo face caméra. Je suis désolée, je suis malade, j'ai peut-être parlé un peu du nez. J'ai essayé de... Enfin, j'ai mis du rouge à lèvres pour paraître un petit peu moins malade. Et puis j'ai des extensions de cils, donc ça va. J'espère que je parie pas trop blanche dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de robes de cérémonie. Donc j'ai reçu de la part du site JJS Oats, j'espère que je prononce bien, je suis pas certaine, mais j'ai reçu de leur part 3 robes, donc des robes un peu style princesse, cérémonie, gala. Sur leur site, vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous avez robe de mariée, robe de gala, robe de soirée, enfin vous avez vraiment beaucoup de choix, même vous avez pour les témoins de la mariée ou... Vraiment pas mal de choix, vous avez même des accessoires, des chaussures et des vêtements si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vais vous mettre un petit peu un close-up du site internet après. Là j'ai reçu 3 robes, donc je vais vous les montrer et je vais vous montrer de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus, malgré qu'elles sont toutes les 3 très belles. J'avais peur niveau de la qualité parce que c'est un site un peu style chinois, donc je me suis dit les robes vont être... toute légère, le tissu va être un peu cheap, je sais pas comment vous expliquer, mais souvent c'est pas des bons tissus et tout, et au final je suis vraiment choquée de la qualité. Je m'attendais vraiment pas à avoir des robes d'aussi bonne qualité en fait. La première elle est juste un petit peu trop grande au niveau du buste en haut, mais la dame qui m'a contactée m'avait dit que le site ne taillait pas très bien, donc ça il faut faire super attention, bien regarder votre taille. De toute façon vous pouvez les faire sur mesure si vous le souhaitez, donc vous avez juste à prendre vos mensurations et les mettre sur le site internet, et toutes les robes vont pouvoir être faites sur mesure, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est top c'est que vous avez vraiment énormément beaucoup de choix parmi les robes, et en plus de ça une fois que vous avez choisi votre robe, par exemple vous avez choisi une robe qui est super belle sauf que la couleur vous convient pas, et bah vous pouvez changer la couleur sur beaucoup de robes en fait. Ils vous montrent la photo d'une robe par exemple en bleu et vous pouvez modifier la couleur au moins il y a au moins 10 couleurs à chaque fois qu'ils proposent. Petit inconvénient c'est qu'ils ne montrent pas la photo, par exemple si la robe elle est bleue sur le site internet, si vous voulez la changer en rose ils ne vont pas vous montrer la robe en rose, mais vous avez quand même vraiment un large choix de couleurs. Moi j'ai pris toutes les couleurs, j'ai pas changé les couleurs en fait qu'il y avait sur les photos, mais vous pouvez le faire, donc ça c'est vraiment top. Tout compte fait, avant de vous montrer les robes, parce que oui un peu de suspense, je vous mets un petit close-up du site internet tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des, vous pouvez choisir des robes parmi fêtes de mariage. Donc dans les fêtes de mariage, il y a les robes pour les demoiselles d'honneur, les robes mère de la mariée, robes pour filles. Donc voilà vraiment plein de choses. Vous avez même des robes de mariée. Ensuite, occasion spéciale, donc tout ce qui est robes de bal, robes de cérémonie, robes de balles de promo, tout ce que vous voulez. Donc les robes de mariée comme je vous ai dit. Ensuite vous avez donc vous pouvez choisir le style de la robe que vous voulez, donc style de soirée noire, enfin comme ça ça va affiner vos recherches. Vous avez tout ce qui est accessoires et bijoux, donc ça va du de l'écharpe, de la voile de mariage, des fleurs pour mariage, de la lingerie, des jupons, des chapeaux, des perruques, des bagues, des broches, enfin vraiment plein de choses. Vous avez des chaussures, donc des chaussures pour la mariée, des chaussures de danse, des chaussures femmes, des chaussures hommes et même des chaussures pour les plus jeunes filles. Vous avez aussi un large choix de vêtements, ils ne font pas que des robes, moi là c'est vraiment, je vous parle des robes de soirée, donc on va rester sur les robes de soirée. Et après vous avez tout ce qui est cadeaux et décors, mais ça c'est encore autre chose, mais je vous invite quand même à aller faire un tour si vous recherchez. Voilà, donc maintenant nous allons passer à ce que vous attendez tous, c'est tous et toutes, enfin surtout toutes je pense. C'est les robes, donc comme je vous ai dit j'en ai choisi 3, donc je vais vous montrer les 3 bien évidemment.
On va partir de celle que j'aime le moins, malgré qu'elle reste très très jolie, vous allez voir, à celle que je préfère le plus. Donc on va commencer par la robe bleue qui est juste là. Elle est super grande, super... Elles sont lourdes, en fait les tissus sont, comme ils sont de très bonne qualité, ils sont doublés et tout, les robes sont assez lourdes, mais vaut mieux ça qu'elles soient nulles en fait, enfin que le tissu soit nul. Donc je sais pas si vous allez bien voir comme ceci, mais de toute façon je vais vous faire un petit close-up des robes portées après. Donc la bleue, elle est comme ça, vous avez des coques au niveau des seins, donc pas besoin de mettre de soutien-gorge. Là vous avez un petit peu de dentelle pour pas que ça soit trop décolleté. Les bras c'est pareil, c'est du voile transparent. Il est franchement bien fait, hein. Comme vous pouvez le voir il n'y a pas de petits fils qui dépassent. Vous avez l'étiquette ici, je ne sais pas si vous avez marqué, voir, enfin si vous allez voir il y a marqué JS Pouce. Elle est super longue, donc moi je vais vous les montrer avec des talons. Voilà, franchement la qualité elle est top. Moi j'ai pris tout du XS, en fait je les ai pas faites sur mesure, donc c'est pour ça que celle-ci elle est un petit peu grande. J'aurais dû faire sur mesure, mais c'est pas grave, moi le XS me va quand même. Celle-ci en fait ce qui me dérange c'est que du coup elle est un petit peu grande au niveau de là, mais c'est pas grave. Donc par contre elle est super longue, donc du coup moi qui suis pas très grande, je fais 1m56-57 avec mes talons. J'ai sorti les talons, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est mes plus hauts talons, c'est mes boutins en fait. La robe elle traîne quand même par terre, mais bon, mes chaussures, je les ai. Oui, les Louboutins c'est bien, mais une fois que vous marchez avec. Merci Louboutin pour tes paires de chaussures à 600 balles qui ne tiennent pas quand tu marches dehors. Bref, du coup, voilà pour la première robe. Je vais vous montrer la deuxième robe maintenant. La deuxième robe, c'est une robe noire. Je les ai essayées, mais j'ai pas refermé les. Les fermetures derrière. Donc c'est une robe, alors je sais pas si vous allez voir la matière, vous savez une matière toute douce, celle-là je crois que c'est la robe la plus lourde, elle est super longue, il y a une traîne, donc elle est noire, elle se porte épaules dénudées comme ça, franchement je suis pas sûre que ça va donner grand chose, vu comme ça vous verrez mieux avec le close-up, mais elle est noire, vous avez la fermeture derrière qui descend pratiquement jusqu'aux fesses, même si ce n'est pas plus. Elle est ouverte légèrement, enfin vous savez il y a une ouverture au niveau d'une des jambes et il y a une traîne derrière, enfin vous n'allez pas voir comme ça, mais et puis elle est lourde, cette robe est super lourde, mais c'est parce que le tissu est franchement de qualité. Pour les prix d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des prix, je vais vous en parler après, franchement les prix sont raisonnables, mais bref, du coup comme c'est des épaules dénudées, ils ont mis même un petit truc antidérapant pour pas que la bretelle tombe. Franchement, c'est super cool. Pareil, sur l'étiquette, c'est marqué JJS Housse. Et voilà, donc je vais vous la montrer portée. Après, il y a même des doublures, hein, je sais pas si vous l'avez dit, mais elles sont vraiment pas transparentes, les robes. Donc voilà, il y a les doublures et elle est super grande. Il y a même un petit jupon transparent en dessous. Voilà. Et pour la dernière c'est ma préférée, je pense que c'est peut-être pas la plus simple, mais j'ai une j'ai une cérémonie, enfin une cérémonie, j'ai les Family Awards le lundi 9 septembre, ça va arriver vite. Et du coup, il me fallait une robe et je pense que c'est celle-ci que je vais porter. Donc, c'est une robe rouge super longue aussi. Elle descend jusqu'à mes pieds. Il y a même une toute petite traîne derrière. Donc, pareil, il y a une coque au niveau des seins. Donc, pas besoin de mettre de soutien-gorge. On ne voit pas à travers parce que au niveau des diamants, comme vous pouvez le voir, c'est du tulle brodé. Donc s'il n'y avait pas la coque on verrait, mais là comme il y a la coque on ne voit pas du tout. Il y a même des petites perles dessus et franchement ça n'a pas l'air de bouger. Le dos derrière c'est à moitié un dos nu, donc c'est très très joli.
Et ensuite, la robe, elle est toute basique, rouge. Pareil, le tissu est de qualité, il est lourd. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Tissu cheap, que vous savez que si vous allez nettoyer dès le premier lavage, il va s'agrandir et tout. Pas du tout, là, c'est vraiment du tissu de qualité, quoi. Et vous avez un petit jupon, pareil, transparent. Enfin, transparent. Oui, transparent, mais en tulle en dessous de la robe. Donc voilà. Elles sont super belles, il n'y a pas de fil qui dépasse. Alors je dis pas ça pour parce que je suis en partenariat avec eux, mais franchement pour la qualité je suis vraiment vraiment choquée quoi. Souvent on trouve des belles robes de cérémonie dans des sites chinois et quand on les reçoit le tissu il est pourri quoi, mais là vraiment pas. Je suis vraiment étonnamment surprise et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, donc je vais vous les montrer porter après. Alors avant de vous montrer le close-up, nous allons parler prix. Franchement, rapport qualité-prix, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Certes, ça reste quand même un petit budget parce que les robes vont de 100 à 200 euros, je crois, celles que j'ai prises. Donc ça reste un budget, mais si vous voulez une belle robe de cérémonie qui tient le coup, que vous pouvez remettre plus tard, que vous pouvez passer en machine et que ça ne craint pas, et bah... ça vaut vraiment le coup. En plus, ils font souvent pas mal de promotions sur le site internet. Et moi, il me semble que j'ai un code promo pour vous. Donc, je vous mets ici. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous avez besoin d'une belle robe de cérémonie. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente. Et maintenant, nous allons passer au close-up. Et je vais vous montrer les robes portées. J'ai oublié de vous préciser que les robes, je pensais avoir un énorme carton quand j'allais les récupérer. Et au final, non, pas du tout. Donc, j'ai reçu un carton normal qui fait à peu près cette taille. Et les robes étaient bien emballées dans des petites housses comme ceci. Donc, je pense que les robes avec des gros cerceaux et tout, vous aurez un plus grand carton. Moi, elles n'ont pas de cerceaux. Donc, elles étaient bien pliées, pliées à l'envers en plus. Et reçues là-dedans, donc la protection... et super top. Envie d'acheter des robes, et si jamais vous étiez en train de chercher une robe de cérémonie, bah je vous ai bien présenté un nouveau site internet. J'ai complètement oublié de vous parler pour tout ce qui est envoi. Moi, ils m'ont envoyé les robes, enfin j'ai reçu les robes au bout de à peu près 2 semaines, donc n'hésitez pas à commander bien avant votre
votre soirée parce que ça prend quand même un petit peu de temps, surtout si vous les faites sur mesure. Donc voilà. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver que ce soit le lien direct de mes robes ou alors le site internet. Je vous remets le code promo aussi en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer sur ma chaîne, si le titre de la vidéo vous a interpellé et que vous ne connaissiez pas encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que vous êtes nombreux à me dire que vous recevez plus les notifications et que vous voyez plus quand je fais de vidéos. Mais alors si, j'en poste. Mais activez bien la petite cloche. Et sinon, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Donc Snapchat, je vous le mets ici, c'est Loudi Chérie. Et surtout, parce que c'est là où je poste le plus, sur Instagram, que je vous mets également ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.